une véritable petite icône de mode. Alors qu'elle fête ses 9 ans ce jeudi 2 mai, la jeune Charlotte de Gaulle a toujours été particulièrement appréciée du public dans le monde entier. Et ses tenues également, depuis le jour de sa naissance, de nombreux parents s'inspirent de la petite fille pour leurs propres enfants. De quoi rapporter beaucoup d'argent. Si ses parents font tout pour qu'elle ait une vie normale depuis sa naissance, la jeune Charlotte de Gaulle, qui fête ses 9 ans ce jeudi 2 mai et dont les parents ont dévoilé une magnifique photo pour l'occasion, n'est pas une enfant comme les autres. Depuis le jour où elle est sortie de la maternité dans les bras de sa maman, la fille de Kate Middleton et du prince William est observée par les fans du monde entier. À tel point que toutes ses tenues sont décortiquées. Et que cela rapporte beaucoup d'argent aux marques concernées. Les 4 premiers mois de sa vie, notamment, avaient été marquants, comme l'avait rapporté la presse anglaise, ses 2 seules apparitions en 2015, le 2 mai, pour la présentation officielle à la presse sur les marches de la maternité, puis le 5 juillet pour son baptême, avaient rapporté plus de 4 milliards d'euros. Un chiffre délivré par le cabinet Brand Finance, qui expliquait que l'argent provenait surtout de 2 marques, celle du chaland dentelle qui recouvrait la petite fille lors de sa sortie dans les bras de sa maman, et celle du landau rétro dans lequel ses parents l'avaient emmené jusqu'à l'église de son baptême. 2 articles qui s'étaient en effet tellement bien vendus qu'il avait rapporté plus de 3 milliards de livres sterling au pays, un chiffre inégalé en si peu de temps, en comparaison. Son frère George, dont les tenues et les accessoires sont également regardés et observés, n'aurait rapporté que 3 milliards d'euros. En revanche, leur mère, Kate Middleton, avait battu des records, avec ses très fréquents engagements, celle qui était alors la duchesse de Cambridge avait rapporté à elle seule 6,5 milliards d'euros. Des revenus à la hausse des chiffres énormes, qui rentrent dans le revenu net rapporté par la famille royale britannique à son pays, en 2015, celui-ci était estimé à 50 milliards d'euros, auxquels il faut enlever les 10 milliards qui serviraient en moyenne à faire vivre les membres seniors. Et ce chiffre a dû grimper ces dernières années, avec l'arrivée du prince Louis, 6 ans, au caractère fantasque, mais aussi avec la médiatisation de plus en plus importante des 3 enfants du prince William et de Kate Middleton. Et si elle n'a sûrement pas encore conscience que ses choix de coiffure, d'accessoires et de vêtements rapportent autant d'argent, la jeune Charlotte ne devrait pas tarder à s'en rendre compte.